Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Les potos, on se retrouve pour l'after patch dans de véhicule à deux facile. Donc les potos, pour pouvoir réaliser ce don de véhicule, il va falloir se rendre en session privée. Avant, il va falloir se mettre en visée libre. Donc j'ai demandé mon centre d'opération mobile. J'ai un Fadjo qui vient du centre d'opération mobile pour se bugger, super simple. Je monte sur le Fadjo, le poteau monte à l'arrière. Et de là, je vais me rendre dans le parking du casino. Une fois sur l'onglet du parking, je vais faire un compte à rebours. Et à la fin de ce compte à rebours, je vais cliquer « Rentrer dans le parking » et le poteau va appuyer sur la touche « Option » pour afficher la carte. On va cliquer en même temps. Moi, ça va me faire rentrer dans le parking. Le poteau qui a affiché la carte va se retrouver sur un écran noir. Une fois sur l'écran noir, le poteau, il va falloir qu'il rejoigne quelqu'un en visée différente, via la communauté ou via les amis. Il va rejoindre un poteau en visée différente, il va accepter le premier message et il va refuser le deuxième message de visée différente et là ça va le débugger. Donc moi ça me fait rentrer dans le parking. Une fois dans le parking, il faut se retrouver seul dans le parking. Si vous voyez votre poteau avec vous, c'est que vous n'avez pas cliqué en même temps. Donc une fois dans le parking, je sors du parking. Là, le poteau va monter à l'arrière du Fadjo. Et une fois que le poteau est monté à l'arrière du Fadjo, il va falloir se rendre à l'arrière de son centre d'opération mobile. Et une fois à l'arrière du centre d'opération mobile, je vais faire flèche de droite pour y accéder. Une fois que j'aurai fait flèche de droite, ça va me freeze. Une fois que j'ai fait flèche de droite, le poteau qui est derrière, il va sortir son téléphone et il va lancer un passe-temps avec ami dans la session. Le passe-temps, il va falloir qu'il le lance deux fois. Et une fois qu'il aura marqué en bas à droite 1 sur 2, il va me le dire, je vais passer par la partie vocale et je vais le rejoindre et je vais accepter les deux messages. Ça va m'envoyer dans les airs, ça va me remettre dans le Fadjo débugué. Et de là, je vais me rendre dans le parking du casino. Voilà, les manips sont finies, les potos. Donc je vais dans le parking du casino, je vais valider, ça va me freeze. On va patienter comme ça à peu près 45 secondes. Au bout de 45 secondes, le poteau qui est derrière va sortir son téléphone et il va lancer une activité. Une activité qu'il y a dans les invitations d'activité, n'importe laquelle, Siméon, Martin. Il va lancer une activité, ça va envoyer le poteau dans l'activité et moi ça va me faire rentrer dans le parking. Donc le poteau ça va l'envoyer dans l'activité, dès qu'il peut quitter l'activité, il quittera l'activité, ça va le faire apparaître à côté du casino. Moi ça va me faire rentrer dans le parking. Et je vais me retrouver sur un écran noir. Je me retrouve sur l'écran noir avec le rond de chargement en bas à droite. Une fois sur cet écran, je vais rejoindre un poteau en visée différente. Je vais accepter le premier message et je vais refuser le deuxième message de visée différente. Puis je vais faire touche start et je vais aller dans le pack d'entrée dans le monde criminel. Je vais l'ouvrir, je vais le refermer et je vais faire triangle pour descendre du Fadjo. Donc ça me fait chuter et ça va me faire apparaître à côté du parking. Donc là, il va falloir demander son centre d'opération mobile vu qu'il a disparu quand on a rejoint le passe-temps du poteau. Je demande le centre d'opération mobile. Le poteau, lui, il va demander le véhicule que je vais récupérer. Donc là, je n'ai pas le rond bleu de mon centre d'opération mobile à cause des véhicules qu'il y a à côté. Je vais le déplacer un peu, l'histoire d'avoir le rond bleu à l'arrière. Une fois que c'est fait, je vais rapprocher le véhicule que je vais récupérer. Je vais le rapprocher un peu du centre d'opération mobile parce que là, il est un peu éloigné.
Donc, une fois qu'on a rapproché le véhicule qu'on veut récupérer, le poteau, lui, s'est mis à l'arrière de mon centre d'opération mobile. Je vais sur le rond bleu et là, je vais cliquer rentrer avec amis écrou à proximité. Je vais me retrouver sur un écran noir avec un rond de chargement. Là, je vais rejoindre un poteau qui est en visée différente. Je vais accepter le premier message et je vais refuser le deuxième message. Je me retrouve invisible et de là, je me dirige sur le véhicule que je vais récupérer. Je fais triangle pour monter dedans et là, ça me fait apparaître avec le véhicule dans le centre d'opération mobile. Le poteau, lui aussi, ça l'a fait rentrer. Et là, le véhicule est sauvegardé. Voilà les poteaux. La vidéo, elle arrive à sa fin. Je remercie le poteau Calice qui m'a aidé pour cette vidéo. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!